Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau combat versus abonné. Cette semaine, je joue une team avec le fameux El Famoso Engloutirant. Eh oui, alors il est pas tout seul, hein, parce qu'il y a quand même un Guerriland et un Dodoala. C'est quand même trois Pokémon qu'on ne voit strictement jamais dans le format. Pourtant, Engloutirant, il est pas... Enfin, il est pas si dégoûtant que ça. Oh, Darkmist nous joue une équipe, mon adversaire du jour, nous joue une équipe qui elle aussi est très originale puisqu'on a un Sucrène, qu'on voit absolument jamais, un Dentikris, donc vraiment... Dark Nubis ici, il n'aime pas les priorités, parce qu'il a évidemment, alors je sais pas comment ça s'appelle en français, mais Queen Majesty, le je sais pas, Prestance, c'est Prestance Royale, c'est ça, Prestance Royale, le talent de Sucrène qui protège des priorités, qui protège l'équipe des priorités, et c'est exactement la même chose pour alors Dazzling, ça doit être, je sais plus comment ça s'appelle, mais le talent d'Antichrist qui lui aussi fait exactement la même chose que le talent de Sucrène. Et il y a un Cancrelove pour profiter de la grande vitesse de ce Pokémon et donc protégé par les, enfin des priorités par ces deux Pokémon. En tout cas, c'est évidemment le plan de mon adversaire. On va prendre qui pour commencer? Ça me paraît bien. Ça me paraît très très bien. Il est embêtant pour ma team, hein, ce satané Cancrelove. Il est vraiment embêtant. Je pense qu'on va prendre Malamandre. Et en dernier... Ah, mon hésitation est incroyable. Elle est totale, mon hésitation. Je ne comprenais pas Engloutirant. Il est pas dégoûtant. Ouais, non, il est pas dégoûtant ici. Allons-y. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Son Dentikris, il a le talent pour les morsures. Ah, Prognat, vous pensez qu'il a le talent Prognat pour les crocs? Oh non, je pense que il y a Sucrène et Dentikris. Je pense que les deux ensemble, ça veut dire que les deux ont... Ou alors c'est du brain. Peut-être qu'il a aucun de ces talents-là sur ces deux Pokémon-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on valide avec Ariyama et Guerriland. Bon, c'est un peu le lead évident de ma team. Même si on sait qu'on ne peut pas faire bluff à cause du talent de Sucrène, bien sûr. Et ça envoie Sucrène et Cancrelove en lead. Ce qui était quand même, on va dire, logique. Hein. Bien entendu, on va y aller comme ceci. Oh, attendez, j'ai ma petite idée. Oh, mais non, mais j'ai carrément mieux. Ah, mais non, 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 je viens de faire une bêtise. Je viens de faire une bêtise. Non, non, non. Non, mais non, on a le... Non, je viens de faire une connerie tour 1. Alors, ça va être bloqué, voilà. Le talent de Guerriland lui donne une priorité sur les attaques de soins. Du coup, Vampy Baiser est une attaque de soins. Et du coup, prioritaire, mais c'est donc bloqué par le talent de Sucrène. Et tour 1, il a fallu que je fasse une erreur absolument incommensurable, alors que j'aurais pu faire une distorsion qui me faisait absolument gagner si on ne prend pas le KO là-dessus. Bah oui, voilà, j'avais gagné en faisant distorsion, mais je ne l'ai pas fait. C'est quoi ce bulk? Ouais, c'est quoi ce bulk? Ah, tout ça pour ça. Oh non, j'ai perdu en défense village, tout ça pour ça. Mais non, mais je suis bête. Oui, j'ai appuyé trop vite, oui. Oh non, merde! Mais c'est interdit de faire une bêtise pareille! Oh merde! Oh non, c'est interdit ce que je viens de faire là! Non, mais comment je... Mais je suis trop con, c'est pas possible! Oh, merde! Attendez, attendez, on peut rattraper ça! Oh merde! Je suis trop con! Allez, on va soigner Ariyama avec soin floral, ce qui va peut-être lui permettre de tenir les assauts des Pokémon adverses. Oh merde, non mais je suis trop con là. Ok, ça en fait direct toxique. Je me doutais bien qu'on n'allait pas pouvoir placer distorsion ici. Il aurait fallu que je switch, c'était un petit peu trop chiant. Ok, boost chimère. Et on prend botte secrète, hein. C'est ça le nom d'attaque, hein. C'est ça. Et on perd en attaque. Ah, ça c'est bien triste quand même. Ça c'est bien triste parce que du coup on fait pas le KO sur ce Cancrelove. On l'aurait fait sinon. Alors peut-être qu'il est ceinture force, hein, le Cancrelove. Hein. Du coup ça ne change peut-être pas tant de choses que ça. Peut-être. Non mais je suis vraiment un gros mongol aussi. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Et maintenant je suis à portée de KO sur botte secrète. Oh non! Mais non, mais je fais des choses vraiment tristes quand même. Hein. Allez, on va tenter le comeback, El Comeback, bien sûr. On va tenter El Comeback.
Mais mes espoirs sont minces. Oh, j'aurais peut-être dû attaquer. L'abri du Krokrolov, il est facile à voir là quand même. Je sais pas. Non, demi-tour, d'accord. Sur qui? Oh, sur le switching. Oh, sur Gloutiran. Qui prend le chaos, c'est pas un coup critique? Non, ok, d'accord. Il était à plus 1 attaque. Hein. C'est peut-être pas si choquant que ça. Ok. Et du coup, le Krokrolov, bon, certes, il est. Bon, il a plus 2, mais il se barre. Hein. Et du coup, on va faire. Oh là là, j'ai... en plus, j'ai hésité à faire Bomber sur le Sucrène. Je vais me faire rouler dessus. En même temps, j'ai fait une boulette incroyable tour 1. Hein. C'est terrible ce que je fais. Ok, mais j'ai bien fait de faire Bomber justement en cas de switching d'Antichrist. C'est parfait ça. Oh, quand même, c'est un coup critique ça, non? Ouais, même pas. D'accord. Et derrière, on va rien prendre du tout sur Bot Secrète par contre. Alors, c'est pas encore fini en vrai. Hein. C'est pas fini. Hein. On perd en attaque, d'accord. Bon, Osef, je pense. J'imagine. Est-ce qu'on peut encore gagner? Y a-t-il encore le moindre espoir? Je l'ignore. Je sais pas, je pense qu'on va faire ça. Et ça. En vrai, si on tue les deux derrière, il est plus protégé des priorités. Hein. Ok, il s'abrite pas. Eh, c'est peut-être ma solution pour gagner ce combat. On tue le Dantichrist. Derrière, on pourra faire ruse sur le Krokrolov. Ok, botte secrète. Faut pas que ça laisse son attaque. Hein. C'est 50%, je crois. C'est 100% ou 50% de chance de baisser l'attaque, je sais plus. Bon, en tout cas, on va faire sabotage. Qui va tuer le haut coup critique. Je sais pas si c'était... Ouais, je pense que c'était nécessaire. Je pense. Il était mon cher choix, hein, ce Sucrène. Hein. Il a fait que botte secrète hein, depuis le début du combat, hein, c'est pas surprenant. C'est botte sucrète, pas botte secrète, d'accord, ok. Botte sucrète, mais sucrète, c'est les trucs que tu mets dans le café. Ok, en tout cas, quand Krolov arrive, il n'y a plus de protection des priorités. Et cache à croque au dernier, ok. Grande tristesse, c'est cache à croque le dernier, ce qui veut dire que je ne peux absolument pas gagner. Malheureusement. Merde. Bon, j'ai limité la casse, mais ça sert à rien de limiter la casse. On peut tenter la brûlure sur cache à croque qui m'aidera même pas à gagner. On tiendra même pas le séisme, malgré ça. C'est 100% de chance de baisser l'attaque, d'accord. Dans ce cas-là, je vais pas me plaindre. Ok, je savais pas si c'était 100% ou 50% de chance de baisser l'attaque. Ok, c'est fort avec 100% de chance. Bon, après, le Pokémon en lui-même est pas fort, mais... En tout cas, ça ne s'abrite pas avec Krokrolov, mais on va l'attaquer en premier avec Ruse. On aura finalement fait une priorité dans ce combat. Et malheureusement, la baisse en attaque qui ne nous permet pas de faire le KO. Alors, pour ceux qui se diraient, mais il est brûlé, toi, Ariana, pourquoi il est brûlé? Mais il a le talent cran, évidemment. Évidemment. Et du coup, c'est la défaite, malheureusement. Et merde. Petite brûlure. Petite brûlure. Dommage. Oh, oula, Malamandre qui prend Z séisme de Karchakrok. Oula. Alors là, il perd au moins 10 fois sa barre de vie. Ah, si ce n'est plus, hein. Si ce n'est plus, franchement, c'est du x4. Karchakrok a une très bonne attaque. L'attaque est extrêmement puissante. C'est stabé. Et Malamandre a pas beaucoup de PV et une toute petite défense. Alors là, mais c'est une pulvérisation, là. Littéralement, hein, vraiment. Bon. J'avais win sur Trick Room tour 1, mais il a fallu que je fasse cette erreur absolument abominable de Vampire Baiser. En tout cas, GG à Dark Dubis, bah, qui a bien profité derrière de ma connerie, hein, tout simplement. On peut le dire. Oh merde, non mais je suis trop con aussi, c'est chaud. Non mais, c'est interdit de faire un truc pareil. C'est interdit. Ah, on a pris entre 6 et 7 fois, entre 6 fois et demi et 7 fois et demi la barre de vie. D'accord. C'est assez drôle. Bon, c'était la plus grosse. Non, mais en plus, tour 1, je vous dis, oui, faut pas que je fasse bluff parce qu'évidemment, on se fait bloquer par Prestance Royale. Et dans le même tour, je fais Vampire Baiser prioritaire grâce au talent de Guerilland. C'est terrible quand même. C'est terrible. En tout cas, mais c'est dommage parce que mon équipe, elle est quand même vraiment fun. Et c'est des Pokémon qu'on voit pas et je les ai pas rentabilisés. C'est vraiment dommage. En tout cas, j'espère faire mieux, évidemment. Ça va être difficile de faire moins bien en même temps. J'espère faire mieux dans le prochain Grand Versus Abonné qui sortira vendredi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour le prochain Grand Versus Abonné. Salut tout le monde.